Je vous souhaite la cordiale bienvenue. Nous allons assister à une présentation de la maternité de la clinique Cécile, qui est une des deux cliniques du groupe Irsandan à Lausanne. Je laisse la parole à Madame Ruzé et à son équipe. Bonjour, je me présente, je suis la sage-femme responsable de la maternité de la clinique Cécile, donc la clinique Cécile qui travaille au sein du groupe Irsandan Lausanne en coopération avec la clinique Boisset. Et depuis quelques années, la maternité se situe exclusivement à la clinique Cécile. Alors, la clinique Cécile a la maternité privée qui a le plus grand nombre de naissances dans le canton de Vaud. Nous avons la chance d'occuper tout un étage de la clinique Cécile. Nous sommes un petit peu nombreuses pour travailler. Nous avons un service de 22 lits et une équipe qui est composée de 18 sages-femmes, 8 nurses et 2 aides-infirmières. Les gens qui sont venus chez nous et revenus pour faire plusieurs bébés ont pu constater que le personnel était extrêmement fidèle et on a beaucoup de collaboratrices qui sont chez nous depuis plus de 10 ans et même depuis plus de 20 ans. Qui peut être très sympathique pour des dames qui reviennent pour faire plusieurs bébés de suite. Il y a une continuité qui est très agréable. Moi aussi, en tant que chef de service, j'apprécie ça énormément. Nous avons des patientes qui viennent de tout le canton, mais qui viennent même du Valais, qui viennent même de Neuchâtel pour venir accoucher chez nous. Nous travaillons avec des médecins gynécologues accrédités, ça veut dire qu'ils ont une relation particulière avec la clinique Cécile et qui sont pas seulement sur Lausanne, mais qui sont aussi sur Morges, sur Nyon, sur Yverdon, sur Vevey. Donc on a un grand bassin de clientèle qui vient travailler chez nous. L'année dernière, nous avons eu plus de 550 naissances. Donc nous avons beaucoup d'expérience dans ce genre de travail. Les bébés qui naissent chez nous sont tous suivis par des pédiatres qui viennent aussi du Grand Lausanne, mais certains aussi sur Morges, Nyon. Les patientes qui viennent de loin peuvent venir chez nous accompagnées de leur pédiatre pour surveiller leur bébé. Au niveau du personnel, comme je vous ai dit, on a des gens qui sont extrêmement fidèles et fiables. Et même s'ils sont là depuis longtemps, ça ne veut pas dire, comme nous a dit tout à l'heure une dame présentation, alors il n'y a rien qui change à la maternité. Au contraire, il y a toujours de l'évolution parce qu'on suit des cours et on se met au courant de toutes les nouveautés qu'il peut y avoir dans le cadre de la maternité. La particularité de venir accoucher dans une clinique privée, c'est que les patientes sont suivies par leur propre gynécologue. Contrairement à l'hôpital où elles vont être suivies par le médecin de garde ou celui qui se trouve là à ce moment-là, chez nous, c'est le médecin qui adresse sa patiente, qui va la suivre. Donc les patientes connaissent le médecin, qui elle-même les connaît bien. Il y a une confiance dans l'échange de travail et confiance avec nous aussi parce qu'on les connaît tous bien, on connaît leurs habitudes, ce qui fait qu'on travaille sur la même longueur d'onde. Cette proximité entre le travail des gynécos et le travail des sages-femmes au sein de la maternité fait partie des principales différences qu'il peut y avoir entre le public et le privé, le fait qu'on travaille en toute confiance et en proximité avec les médecins. Mes collègues vont vous parler de ce qui se passe pendant le séjour à la maternité. Patricia va vous parler des prestations que nous offrons aux patientes qui viennent chez nous avant la naissance et pendant la naissance. Et Caroline vous parlera du séjour, une fois que le bébé est là, comment ça se passe et les prestations que nous offrons une fois que l'accouchement a eu lieu. Patricia ? Alors bonjour, je m'appelle Patricia, je suis sage-femme depuis 20 ans dans le groupe Irsandan, donc on s'y plaît aussi, même si les patientes s'y plaisent nous aussi. En tant que sage-femme, je suis amenée à discuter avec les couples avant la naissance, donc déjà en faisant des visites de la maternité individuelles en couple. Les gens téléphonent le week-end et on leur fait volontiers visiter.
Je peux aussi proposer des entretiens prénataux ou c'est des entretiens personnalisés où la femme ou le couple viennent discuter de ce qu'ils ont envie, de leurs questions, de leurs doutes, etc. On offre aussi des cours de préparation à la naissance, donc deux différents, des cours en couple, je dirais théoriques, un peu classiques, où c'est très informatif sur la fin de la grossesse, quand est-ce qu'on vient à la maternité, ce qui se passe pendant le travail. On parle aussi des bébés, mais ça sera le domaine de Caroline. Et on donne aussi des cours au Centre Actif Plus pour les femmes enceintes. Donc là, c'est ouvert que pour les futures mamans. Un groupe entre femmes, c'est le mercredi soir. Ça leur permet d'acquérir un bien-être physique, de la relaxation et puis d'avoir un petit moment rien qu'à elles. Donc ça, c'est tout ce qui se passe avant la naissance. Par rapport à l'accueil à la clinique, quand vous arrivez à la clinique, c'est une sage-femme qui vous accueille. Elle est là pour faire la première consultation, le premier bilan. Et ensuite, on voit avec le gynécologue comment on va s'organiser pour la conduite à tenir. On travaille toujours en collaboration avec le gynécologue. C'est vrai que comme ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, il y a une certaine confiance qui s'est établie. C'est tout gagné pour notre patiente. En salle d'accouchement, donc la sage-femme reste, en tous les cas, est là pour assister le couple et faire le suivi médical pour le gynécologue. Le gynécologue ne venant a priori que pour la naissance, si tout se passe bien. Nous avons la chance d'avoir des anesthésistes présents 24 heures sur 24, ce qui pour nous est aussi plus facile quand on a une patiente qui désire une péridurale, d'avoir l'anesthésiste sur place. On peut aussi parler du bloc opératoire qui est ouvert 24 heures sur 24 en cas d'urgence, ainsi que le service de soins intensifs si on avait des complications. Donc pour nous, en tant que professionnels, on a les moyens de bien travailler, de bien accueillir nos patientes. On parle de service personnalisé. Ce qu'on veut dire dans le service personnalisé, c'est qu'on essaye de s'adapter aux attentes soit de la future maman, soit du couple, pour la revenue de leur enfant, tout en restant dans un cadre médical et un cadre de sécurité. Alors ça ne veut pas dire qu'on accouche à la place des mamans et qu'on fait à la place des mamans, mais on est là pour, si elle a des désirs particuliers ou des attentes, pour essayer d'y répondre le mieux possible. Chacune ayant un petit peu son projet à elle pour mettre son bébé au monde. Et en suite de couche, les sages-femmes sont toujours là, on effectue le suivi médical de la maman, et puis on aide aussi à l'apprentissage, à l'allaitement, à discuter avec les mamans qui quelquefois ont des questions, des doutes. Donc on est là aussi pour les soutenir et les accompagner. Voilà mon rôle au sein d'une maternité. Donc je passe à Caroline. Alors voilà, bonjour, je m'appelle Caroline, je suis nurse à la clinique Cécile depuis plus de 20 ans. Donc mes collègues et moi-même allons vous soutenir et vous accompagner pendant les premiers jours de vie pour l'apprentissage des soins du nouveau-né, que ce soit les soins d'échange, de l'ombilique, des bains. On travaille aussi étroitement avec une conseillère en lactation. On va faire tout le suivi, vous accompagner par rapport à l'allaitement, à savoir que nous faisons aussi des allaitements mixtes. Nous allons tout pendant votre séjour de 3, entre 4 et 5 jours, vous aider à mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'enfant se sente bien, soit bien nourri et reprenne du poids pour rentrer à la maison. Nous donnons aussi des cours de massage bébé, après en postpartum, plus tard, dès qu'ils ont entre 3 et 6 semaines, ce qui améliore le sommeil et diminue les coliques. Nous avons aussi une réflexologue qui travaille sur notre étage et qui fait le suivi des enfants s'ils sont irritables, qu'ils ont des troubles de sommeil, des troubles digestifs. Voilà pour les bébés. Merci. Alors pour finir, je voulais
vous expliquer qu'on travaille aussi en réseau depuis notre maternité avec les services de puériculture de la ville et avec les sages-femmes qui sont installées de façon indépendante. Ça veut dire qu'au moment où vous allez quitter la maternité de la clinique Cécile, au bout de 4 ou 5 jours, vous ne savez peut-être pas tout, vous avez encore des questions, les mamans aiment avoir du soutien à la maison. Donc c'est pour ça que les dossiers sont transmis au service de puériculture, au CMS, qui prend contact dans la région avec les futures mamans, si elles ont besoin d'aide ou d'assistance. Et la plupart des mamans qui partent de chez nous sont référées à une sage-femme libérale qui travaille dans la région de séjour de la mère, qu'elle peut appeler en cas de besoin, pour un soutien pour son allaitement, pour n'importe quelle question. Ce qui est bien agréable de sentir qu'elles ne sont pas complètement perdues. À savoir qu'à la clinique, de toute façon, on a une ligne téléphonique ouverte jour et nuit et où les mères qui ont accouché chez nous peuvent nous demander n'importe quel conseil quand elles sont un petit peu débordées en tant que jeune maman. Voilà. Sur le slide qui est là, nous avons noté quelques petits avantages et cadeaux que nous offrons à nos patientes. Des cadeaux, ce qu'on appelle le baby bag, qui est un sac de change qui est très pratique pour la suite quand vous allez rentrer à la maison. Et puis pendant le séjour, on offre un dîner en tête-à-tête entre la maman et le papa pour qu'ils se retrouvent un petit peu tous les deux pendant que nous assurons le babysitting au premier étage. Et puis nous offrons aussi la possibilité une fois par semaine d'avoir un petit déjeuner entre toutes les mamans, les nouvelles mamans qui se retrouvent entre elles et qui peuvent un petit peu partager leurs questions, leur bonheur, leurs angoisses entre elles pour débriefer un petit peu leur accouchement et partager tout ça avec une professionnelle qui les guide et qui trouve des réponses. Souvent, rien que le fait d'expliquer un petit peu son angoisse de rentrer à la maison permet que les choses se passent bien mieux. Voilà. Nous, comme je vous l'ai dit, nous avons eu déjà plus de 400 bébés qui sont nés cette année chez nous. Nous sommes toujours très heureuses à chaque fois qu'une nouvelle maman choisit notre maternité pour venir. Et vous êtes toutes bienvenues pour venir faire des bébés chez nous. Merci de votre attention.